monsieur s'en va, monsieur fait clic et fait ses claques. Monsieur pense, ainsi c'est mieux. Ça m'a enthousiasmé, ça m'a conforté dans mon choix parce que je l'avais découverte au petit théâtre de l'Essaillon à Paris. Il s'appelait Louis, étudiait la matière. Elle faisait de la chimie et se prénommait Claire. De toute leur expérience, sans doute la plus dangereuse, fut contre toute attente, expérience amoureuse. Ah ben moi j'ai envie de dire que quand j'ai découvert Sophie Thérol il y a peut-être, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça, j'étais complètement emballé par sa voix, sa thématique. J'adore sa thématique. Et puis alors, elle joue avec sa voix d'une manière extraordinaire. Et quand j'ai entendu cette chanson où il est Gaston, je ne sais plus quoi là, mais je pensais que c'était doublé. Et après, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça. Il est au Waterpolo, c'est toujours le même scénario. Il est au Waterpolo, il a une fidèle gastro. Il est au Waterpolo, c'est toujours le même scénario. Il est au Waterpolo, il a une. Bravo! Très bon spectacle, frais, rempli d'humour, de poésie, de tendresse, superbe. Elle peut être touchante, émouvante, marrante, enfin non, j'ai trouvé ça génial, vraiment. Je trouve qu'elle a un talent fou, qu'elle a une originalité énorme, qu'elle est même inclassable, je dirais. On ne sait pas où la classer. Parce qu'elle est multiple. Personne ne ressemble à personne, mais personne comme Sophie Thérol ne ressemble à ce point-là à personne. Alors, en fait, les critiques, quand ils ont envie de parler, on est tous comme ça, on a besoin de donner des références. Alors, elle a été comparée par les journalistes à Marie-Paul Bell, à Marie Dubas, à Barbara, à Bobby Lapointe. Enfin bon, c'est des références qui ne font certes pas rougir. Mais Sophie Thérol, finalement, c'est Sophie Thérol. Monsieur pardonne, monsieur regrette, monsieur bouquet, monsieur revient. Madame surprise, madame culot. Madame elle est différente, elle est originale, elle est tellement vivante, elle est tellement. Elle a tellement d'imagination. Ses chansons, c'est. Ces chansons, ce sont des bijoux, mais des bijoux d'imagination, c'est des voyages en toutes choses. Moi, ce qui me frappe, c'est son éclectisme. Tes rondes fesses blanches, les miennes toutes roses, ce dimanche, se jettent à tes côtés. L'accord entre le piano et puis l'accordéon, c'était sensationnel. C'est minimaliste, parce que je veux dire, voilà un accordéon, un piano, donc y a pas grand-chose, mais il y a tellement à la fois que c'est un spectacle qui mérite d'être vu et revu. Quoi. Si vous venez au spectacle Sophie Thérol, vous avez une chance sur le nombre de spectateurs qu'il y aura dans la salle. Si vous êtes un homme, de repartir avec ce formidable petit phoque. Je suis très heureux, c'est un spectacle fou. C'est foudroyant. J'ai ressenti que du bonheur, ça c'est vrai. J'ai bien rigolé, ces textes m'ont fait rire. Et elle m'a donné beaucoup de force, d'énergie. C'est ce que. Moi j'ai pleuré. Chose positive, tout positif. Ah oui, bah, aux 80 ans, hein, j'en ai 70. Oui, moi aussi. Alors je me dis, dans 10 ans, alors, on avait vraiment l'impression de se trouver devant une vieille dame. Il faut que j'apprenne à ne plus apprendre. Il faut que je comprenne à ne plus comprendre. En tant que tu n'entendras plus, ne marche donc plus, tu vas dépendre. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une fantaisiste, hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est grave et qui essaye de nous faire sourire, qui essaye de nous faire rire, qui essaye de nous parler aussi de choses sérieuses, d'allier les deux et de nous travailler d'une émotion à l'autre et ça marche parfaitement bien. Mes mains sont amères. Mes mains désespèrent, mes mains pâlissent, mes mains salissent, mes mains tremblent, mes mains veulent comprendre, mes mains trébuchent, mes mains comme des bûches, mes mains brûlent, mes mains ont des pustules, mes mains s'infectent, mes mains infectent, mes mains antipathiques, mes mains lunatiques, mes mains fantômes, mes mains cyclones, mes mains transposent, mes mains. Parce que c'est une jeune fille qui a la chance de nous faire découvrir des textes truculents, bourrés de jeux de mots.
de petites perles, et puis également qui nous fait vraiment dresser les poils sur les bras. C'est, on a des moments d'émotion sur des textes qui sont incroyables. Voilà, je pense que c'est assez rare d'avoir une artiste qui peut allier ces deux panels. Un Argentin en Argentine danse drôlement bien avec Titine. Il est divin, elle le câline et sans les mains, il se lutine. Elle écrit des mots à sa façon, on dirait qu'elle n'a pas été aux écoles. Et, elle est allée un peu en fait, mais ça lui permet d'être vraiment une magicienne du verbe. Elle met des mots côte à côte qui sont à chaque fois des petits trésors. Que se passe-t-il, mer immense, tu sembles quitter la transe. Tu t'essouffles dans la danse, tu renonces par chance. Allons. L'univers, j'étais très ému ce soir. Je l'ai vu une fois dans les Landes, chez moi, j'avais ri. Disons, j'avais été ému aussi, mais j'avais surtout ri. Et là, ce soir, j'ai été touché, vraiment touché par deux ou trois chansons qui sont dans une autre couleur quoi, que ce que j'imaginais d'elle. Je voudrais que tu m'appelles mon amour. Je voudrais devenir belle mon amour. Je voudrais toujours qu'on s'aime mon amour. Je ne veux plus vivre un rêve mon amour. Je voudrais aujourd'hui même mon amour t'envelopper de dentelle mon amour. Je voudrais chasser ma peine mon amour. Ce que je retiens, et en fait comme musicien, quoi, ce que je retiens vraiment de ce que j'ai vu avec Sophie, c'est la liberté. Et pour moi, ce qu'elle fait là, c'est libre, elle est libre, elle a quelque chose, elle a envie de le dire et plaf, elle y va. Madame. Madame, 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 qu'est-ce qu'on fait les filles? C'est vrai que c'est toujours difficile de parler de tout ça parce que c'est tellement fragile et il se passe tellement de choses et c'est tellement fin et subtil. Il suffit qu'il y ait une personne qui réagisse pour que moi je parte sur autre chose et il suffit que je vois une personne plutôt discrète. Et ben à ce moment-là, je vais peut-être changer aussi ma façon de chanter. Je vais être moins... C'est original, c'est très convivial, il y a de l'humour, il y a de du triste, il y a tout ce qu'il faut. Arrivé au magasin, je remplis à rabord mon caddie, je rentre chargé comme une bourrique, flaque mon sac plastique, c'est percé, ma chérie, les cigarettes. Oh, j'ai oublié, faut que j'y retourne. Je dirais que c'est à découvrir parce que c'est... Ouais, c'est un pied dans quelque chose de très connu et c'est un pied dans quelque chose de nouveau et d'un peu étrange qui fait un bel équilibre. Monsieur, madame, s'embrasse, s'embrasse, monsieur, madame, s'enlace, madame. Allez-y, venez, venez, c'est vraiment bien, 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 bien. J'ai même acheté le CD, alors c'est pour dire. Voilà, bravo Sophie Thérol. Elle est sur scène comme si c'était sa vocation, comme si elle était un don du ciel d'être sur Terre. Pour être sur scène, pour nous, voilà. Et comme si elle, au milieu de tout ça, elle n'existait pas. Ça fait une personnalité vraiment assez exceptionnelle. Donc oui, ce que je tenais à dire, c'est qu'à mon avis, elle va tourner beaucoup, on va la voir beaucoup, elle va gagner beaucoup d'argent. Elle fera donc du profiterole. J'aime beaucoup Sophie, je t'aime Sophie, je t'aime, je t'aime.
Voilà. Mais ça, ça sera coupé, on est d'accord. Hein. Ça, ça